Question-réponse avec le pasteur Mickey Hardy. Bienvenue à tous et à toutes dans cette session de questions-réponses avec le pasteur Mickey Hardy. Alors le thème de cette session aujourd'hui, c'est le thème « Les relations entre les dirigeants de l'Église ». Alors pourquoi on va parler de cela aujourd'hui ? Eh bien tout simplement parce que l'on constate que les aspects les plus frappants du christianisme moderne, c'est vraiment le fait qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui pour les dirigeants des églises de travailler ensemble. Nous savons tous que nous avons le même manuel de conduite qui est la parole de Dieu, la Bible, mais cependant les dirigeants d'église d'aujourd'hui semblent avoir l'intention de suivre leur propre voie, leur propre théorie personnelle, individuelle, en ce qui concerne donc la façon dont l'église doit fonctionner et travailler, et souvent eh bien, cela conduit à des résultats désastreux, notamment au niveau du troupeau qui évidemment paie les pots cassés dans ce cas. Alors le pasteur Mickey Hardy étant sans cesse dans un désir d'encourager les pasteurs et les responsables de l'église à travailler ensemble, a beaucoup à dire sur ce sujet, donc nous allons l'accueillir. Bienvenue dans cette émission, pasteur Mickey. Merci beaucoup. Merci d'être là et de répondre à nos questions. Toujours. Alors, d'abord, je vais situer un petit peu le contexte. On sait que dans une même ville ou n'importe où dans le monde, il y a énormément, des milliers d'églises. Beaucoup d'entre elles sont soit isolées, soit indépendantes parce que dirigées par un seul homme. Ou parfois, il y a aussi des églises qui sont dirigées par des femmes. Donc, dans Éphésiens 5, on sait que l'apôtre Paul parle de la relation entre Jésus et l'Église. On sait que c'est quelque chose, un exemple qu'il a utilisé et qui est très connu. Et on sait aussi, que, dans ce même passage, que l'apôtre Paul nous dit que cette Église se présenterait à Jésus, glorieuse, sans tache ni ride. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, on est quand même loin du compte. On regarde à l'Église primitive du livre des Actes, on ne voit rien de semblable à ce qui existe aujourd'hui. Alors, pasteur Mickey, est-ce que ce modèle où chacun prêche son propre message, a sa propre vision des choses, sa vision personnelle des choses, sa propre interprétation biblique, est-ce que c'est sain ? Est-ce que c'est ce que le Seigneur a voulu ? Est-ce que c'est le plan de Dieu ? Premièrement, je pense qu'en regardant à l'Église d'aujourd'hui, l'état de l'Église d'aujourd'hui, avec des ministères indépendants, comme tu as dit, des one-man shows, des pasteurs qui dirigent leur propre église eux-mêmes et qui n'ouvrent pas leur église à d'autres. Et donc, nous voyons que ce n'est pas du tout le même modèle que nous voyons dans le livre des Actes. C'est effectivement très différent. Parce que dans le livre des Actes, on voit des équipes de serviteurs de Dieu travailler ensemble pour le bien-être de l'Église. Oui. Ils avaient compris que ce n'était pas l'investissement d'une seule personne, d'un seul ministère, d'une seule onction qui allait pouvoir construire l'Église. Oui. Donc, il y avait aussi, bien sûr, un message qu'ils avaient compris, un message qui avait effectivement bouleversé leur vie, un message qui avait transformé leur vie et qui constamment les changer, les transformer à l'image de Jésus. Donc, quand nous sommes confrontés à ce genre de message et que nous-mêmes, les pasteurs et les leaders d'Église, nous expérimentons ce changement, cette confrontation et ce que Dieu veut faire dans notre vie, effectivement, nous sommes plus ouverts. Nous sommes prêts à travailler avec des gens, nous sommes prêts à nous humilier, nous sommes prêts à nous repentir, nous sommes prêts à pardonner, nous sommes prêts à tout dans un contexte pareil, dans cette attitude de cœur. Ouais. Donc, c'est ça qui finalement emmène cette unité de cœur. Ouais. Et donc, ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Église est complètement différent de ce que nous avons vu, de ce que nous voyons quand nous lisons le livre des Actes. C'est le modèle même de l'Église. Les épîtres de Paul, surtout, c'est le modèle même de l'Église. Pourquoi changer ? Pourquoi essayer de trouver une autre solution quand tout y est là, écrit, simplement devant nous, et surtout que nous voyons que ça a marché. Oui. Ça a marché, puisque les églises travaillaient ensemble.
Ce n'était pas des bagarres, ce n'était pas des compétitions, ce n'était pas des pasteurs qui en voulaient à d'autres. Bien sûr qu'ils devaient avoir certains petits problèmes à gauche et à droite, mais ils travaillaient ensemble. Ouais. Donc, ce n'était pas du tout ce type que nous voyons aujourd'hui, où chacun de son côté, chacun fait ce qu'il veut, son petit royaume, il construit sa petite église. Ce n'est pas du tout ça, hein. Je vais justement revenir sur cette question de pasteur one-man show, parce que j'ai l'impression aussi que le travailler ensemble, c'est une notion que vous vivez. C'est vrai que maintenant, on voit souvent que dans les milieux évangéliques, pentecôtistes, justement, c'est cette figure de pasteur one-man show qui contrôle tout, qui est tout seul, qui est dirigeant de l'Église. Ce même pasteur, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, il ne souhaite pas recevoir quelqu'un d'autre, un autre ministère dans son Église, et ou encore pire, c'est difficile pour ce même pasteur de développer des relations avec le peuple, finalement, parce qu'il est inaccessible. Donc, il y a plusieurs raisons, je pense, à cela. Par exemple, la peur de perdre les moutons, l'insécurité. Quand on travaille ensemble, c'est difficile, après, d'avoir un contrôle sur les gens. Et puis, il y a aussi cette notion d'argent, d'offrande, etc. Je sais que vous ne croyez pas que ce soit cette manière de faire, que les chrétiens doivent vivre sous l'onction d'une seule personne. Alors, quels sont les dangers, en fait, réels de ce mode de fonctionnement dans l'Église ? C'est vrai que je n'y crois pas du tout, puisque moi-même, j'ai vécu cela. J'ai vécu ce que vous venez de décrire. J'ai passé par là, c'était le seul modèle que j'avais. Mm-hmm. Parce que quand j'étais né de nouveau sous un mouvement qui finalement, autour de nous, et que nous étions même enseignés, que le pasteur, c'était l'homme. Mm-hmm. C'était l'homme qui dirigeait, qui coupait, qui décidait tout. Ouais. J'ai vécu sous cela. Alors, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte, justement, que ça ne fonctionnait pas ? Et puis, par la suite, j'ai mis cela en pratique. Ouais. Ah oui, au début de l'Église, j'ai mis ça en pratique, quoi. Mais finalement, j'ai compris, parce que la parole de Dieu nous éclaire, le Saint-Esprit nous éclaire, et quand on est ouvert et qu'on comprend, je dois dire que cela m'a assez impressionné. Assez impressionné de voir que le type d'Église dans le livre des Actes et dans les Épîtres était complètement différent de l'Église où j'étais. Il y avait un leadership dans l'Église de l'Église des Actes, il y avait une unité, il y avait un corps d'anciens qui était le leadership de l'Église, et donc moi, je n'avais pas. J'avais des gens qui étaient là, mais qui ne participaient pas à aucune décision majeure, à rien. C'était des gens qui obéissaient, que c'était comme ça que je dictais les choses. Mais j'ai passé par là, je sais ce que c'est. Mais quand mes yeux furent ouverts, j'ai compris qu'il y avait un autre modèle de leadership dans la parole de Dieu, où il y avait un corps d'anciens, comme je viens de mentionner, et où chaque ancien participait selon ce que le Seigneur lui disait, selon son appel, selon qu'il ressentait, il venait, il communiquait, et ensemble, c'était un leadership où chacun ressentait sa place, ressentait sa part qu'il emmenait dans l'Église, ce qui était complètement différent d'avant. Mais aujourd'hui, nous voyons dans l'Église ce même type de leadership, souvent, et la plupart des fois. Donc, moi, je ne vois pas que c'est scripturaire du tout, mais c'est pourquoi nous avons besoin d'emmener la lumière. Nous avons besoin de retourner à la base, retourner à ce modèle qui est clair, qui est simple, qui marche, et ne pas essayer de réinventer quoi que ce soit. Ouais. Alors, quand vous évoquez ce modèle, j'imagine que vous parlez des cinq ministères, d'un schéma qui est quand même bien coordonné et ordonné dans la parole de Dieu. En ce qui concerne l'autorité dans l'Église, on a les apôtres, les prophètes, les enseignants, les pasteurs, les évangélistes. Et aujourd'hui, on voit quand même que tout le monde semble se précipiter pour s'autoproclamer soit prophète, soit apôtre. Alors, pourquoi ça se place ainsi? Puisque vous êtes justement en train de dire qu'il y a un modèle à suivre et que maintenant, on voit beaucoup de gens s'autoproclamer prophète, évangéliste, pasteur. Écoutez, si c'est comme ça, pourquoi il y a ces structures dans la Bible et qu'on ne voit pas aujourd'hui? Il y a une façon de construire l'Église bien établie dans la parole de Dieu. Et
nous avons besoin, nous, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, de nous remettre en question. Et de regarder un peu notre leadership et de voir est-ce que c'est comparable à ce que nous lisons dans le Nouveau Testament. Mm-hmm. C'est-à-dire les livres des Actes, les Épîtres. Ouais. Et ça, c'est très important. Alors, pour nous dire que quand un pasteur veut construire l'Église tout seul, il n'arrivera jamais à emmener le peuple de Dieu à la maturité. Parce que dans les Épîtres, dans le livre des Éphésiens, nous voyons que Jésus a fait des dons à l'Église. Il a fait des dons, il en a fait cinq. Il n'en a pas fait un, il en a fait cinq. Donc, pour que l'Église soit perfectionnée, donc, nous avons besoin de comprendre tout de suite que si nous sommes seuls, comment est-ce que nous allons pouvoir emmener cette Église à la perfection quand Jésus a fait cinq dons? Donc, si je suis pasteur d'une Église, comment je peux espérer seul, dans mon petit coin, avoir mon petit troupeau, qui est le mien, et de pouvoir espérer que ces chrétiens vont arriver à devenir des hommes et des femmes spirituels? Donc, il faut qu'on arrive à comprendre les choses et à accepter que ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vrai. Donc, comprenons tout de suite que ce n'est pas possible. Maintenant, c'est vrai que nous voyons les apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs dans la parole de Dieu. Donc, comment ça peut travailler ensemble tout ça? Comment est-ce que ça peut fonctionner ensemble tout ça? C'est très simple. C'est très simple dans le sens que quand Paul est venu sur place, quelle a été son attitude quand Dieu l'a appelé? Est-ce qu'il a voulu se dire, OK, Dieu m'a appelé, donc j'ai un ministère, très bien, je vais planter une église, et puis, c'est mon église, c'est moi qui vais gérer tout. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. C'était pas son attitude. Ouais. Quand l'Esprit de Dieu l'a révélé, l'Évangile, Jésus-Christ, le message de l'Évangile, la première chose qu'il a faite, bien sûr qu'il est parti en Arabie, quand il est retourné, il a été à Jérusalem. Ouais. Il a été à Jérusalem, il a rencontré les premiers apôtres. Donc, il ne s'est pas considéré exclu et indépendant de ce qui a existé déjà, mais il a ressenti le besoin de venir partager son appel avec les apôtres et se soumettre en même temps. Parce que le leadership, c'est une soumission. C'est ça, le leadership. Mais quand Paul a été à Antioche, c'était ça l'église locale de Paul, il a considéré qu'il ne pouvait pas travailler seul. Et puis, dans le livre des Actes au chapitre 13, qu'est-ce que nous voyons? Que pendant qu'ils priaient ensemble et qu'ils jeûnaient, l'Esprit de Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre du ministère. C'est là, dans un leadership, parce que tu m'as parlé tout à l'heure comment les gens s'autoproclament. Oui, c'est ce que nous voyons. Donc là, nous ne voyons pas que Paul s'est autoproclamé. Nous voyons que Paul, pendant qu'ils priaient ensemble, il y avait des prophètes, il y avait des enseignants ensemble là, à Antioche, et ils priaient, et l'Esprit de Dieu leur a parlé, leur a montré ensemble le ministère de Paul et de Barnabas. Et c'est comme ça que Paul et Barnabas ont commencé leur mission apostolique d'aller, de porter l'Évangile, de poser des fondements dans les églises, etc. Donc, Paul ne s'est jamais senti seul, ni indépendant, jamais, bien qu'il était de l'église locale. Il avait une reconnaissance pour les autres églises et les autres ministères qu'il y avait dans les églises. Et il construisait cette relation avec lui parce que c'était son ministère. Le ministère apostolique. Donc, il comprenait l'appel de Dieu dans sa vie et le fondement qu'il avait besoin de poser dans les églises. Et les églises comprenaient aussi et le recevaient et l'acceptaient et se soumettaient. À son autorité. À cette autorité, à ce leadership, à ce ministère. Donc, c'était un travail commun. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des apôtres, des prophètes qui s'élèvent de partout. Quel est le message qu'ils portent?
Quelle est la révélation qu'il porte ? Souvent, ce n'est qu'un titre. Ce n'est un titre qu'on s'approprie soi-même ou qu'on va chercher que quelqu'un nous nomme apôtre, qu'on va chercher que quelqu'un nous nomme prophète parce que ben, la personne prophétise deux fois par semaine, des trucs pareils. Donc, c'est extraordinaire. Ce n'est pas conforme à ce que nous voyons dans la parole de Dieu. C'est quand même assez sérieux. Il y a justement un autre aspect de ce que vous venez d'évoquer par rapport à cette relation d'autorité qu'on peut voir, par exemple, dans Éphésiens 20. On voit un bon exemple de la relation et d'autorité que Paul avait avec les anciens d'Éphèse. Et aujourd'hui, dans l'Église, nous entendons parler de relations d'alliance et surtout de manteaux spirituels, des onctions qui se transmettent, un peu comme Élie et Élisée. Vous voyez de quoi je parle. Et voilà, les serviteurs de Dieu reçoivent en fait l'onction d'un autre serviteur de Dieu plus âgé, entre guillemets, aîné. Vous voyez de quoi je parle. Alors, est-ce que vous voyez une similitude entre ces concepts et ce que nous voyons dans la parole de Dieu ? Parce que souvent aussi, c'est comme ça qu'il y a cette relation. Non, il y a deux choses. Premièrement, cette relation qu'il y avait entre Paul et le leadership de l'Église d'Éphèse. Alors ça, premièrement, mettons les choses bien claires. Paul ne s'est pas imposé, non. Il ne s'est pas dit, je suis un apôtre, donc voilà, vous avez besoin de me soumettre à moi, voilà, j'ai l'onction de Dieu sur ma vie, non. Son appel, l'onction de Dieu sur sa vie, était quelque chose de tangible, était quelque chose de reconnu, c'est quelque chose que le leadership des Églises ressentait. Et c'est ça qui a créé ce lien, cette relation entre les serviteurs de Dieu, le leadership des Églises et l'apôtre Paul. C'est ça. Ce n'était pas quelque chose de forcé. Ce n'était pas un titre qui était en avant. C'était l'onction de Dieu sur sa vie qui a permis à ce que Paul construise des relations spirituelles de père à fils. Parce que ses anciens, ben Paul les considérait comme ses fils. Oui. Parce que c'est lui qui les a engendrés dans l'Évangile. Tout à fait. C'est lui qui a porté l'Évangile et ils avaient reconnu cette onction sur la vie de Paul et de tout leur cœur, ils se sont soumis à cela. Ce n'était pas une soumission obligatoire. Ce n'était pas une soumission comme quoi que ben, quand Paul parle, ben voilà, oui chef, etc. Non, c'était une relation spirituelle où ils ressentaient le cœur du Seigneur à travers l'apôtre Paul qui était un père pour eux. D'accord ? Et c'est comme ça que ça fonctionnait dans l'Église. Et c'est la même chose pour les apôtres de Jérusalem, Pierre, Paul, etc., Pierre, Jean, etc., Jacques. C'était la même chose. C'était des relations qu'ils avaient entre eux et entre les serviteurs de Dieu. Donc, c'était une unité de cœur. C'était ça la relation qui existait entre les serviteurs de Dieu. Mais il y avait plusieurs ministères en jeu. Oui. Hein? Mais il n'y avait pas de ministère où chacun se disait « moi, je suis ça, moi, je suis ça, moi, je suis ça ». Non, c'était des ministères reconnus et où le leadership lui-même ordonner ces gens dans le ministère. Comment on lit dans le livre des Actes, on lit dans l'épître à Tite, comment Paul lui-même, ben, ils ordonnaient les anciens dans les églises. Ils passaient dans une ville, ils voyaient qu'il y avait des hommes qui étaient prêts pour servir à Dieu, qui avaient l'appel de Dieu dans leur vie. Ben, ils ordonnaient anciens comme d'église. Ouais. Paul a envoyé Tite. Il lui a dit, si tu vois un homme qui a telle qualification pour être un ancien, l'appel de Dieu dans sa vie, ben voilà. Donc, c'était pas des gens qui se levaient comme ça et qui se disaient, ben moi j'ai ce ministère, moi j'ai l'autre ministère, moi j'ai l'autre ministère. Non, ils se levaient dans l'église même, dans l'église locale. Ils se levaient, les gens voyaient qui ils étaient, ressentaient l'appel de Dieu dans leur vie, et le leadership de l'Église aussi ressentait l'appel de Dieu dans leur vie, et c'est comme ça que ces serviteurs de Dieu servaient le Seigneur, et l'appel de Dieu dans leur vie était reconnu, chacun différentes onctions, différents ministères, et c'est comme ça que l'Église fonctionnait. Ouais. C'était le modèle même de l'Église du Nouveau Testament. Ouais. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous voyons. Il n'y a pas cette soumission. Il n'y a pas cette relation entre les serviteurs de Dieu. Il y a plutôt une gêne, il y a plutôt
un mur entre eux. Il n'y a pas de liberté entre eux. Ils ne sont pas prêts à se soumettre les uns les autres. Quand je voyage comme ça en Afrique et que je vois l'état de l'Église, je vois des serviteurs de Dieu, des pasteurs qui ne peuvent pas travailler ensemble. Pourtant, ils sont de la même cité, ils habitent la même ville, ils sont un à côté de l'autre, mais ils ont peur, ils se sentent menacés les uns les autres, ils ne travaillent pas ensemble. C'est triste de voir les choses comme ça. Mais quand même, c'est la réalité, malheureusement. Oui. Alors, on voit également un autre aspect entre les relations entre dirigeants. Par exemple, l'apôtre Paul et Timothée. On sait que Paul aimait appeler Timothée son fils. Il le dit dans 1 Corinthiens 4 précisément. Et il fait justement aussi des reproches aux Corinthiens en leur disant, bien, voilà, vous avez beaucoup d'instructeurs, mais un seul père, parce que c'est l'apôtre Paul en général qui les a engendrés. Et en Afrique également, on voit aussi ce genre de choses. On entend souvent parler de fils et de pères spirituels. Alors, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu de quoi il s'agit? Parce que, comme dans la question que je vous ai posée tout à l'heure, on parlait de transmission d'onction, et en Afrique, c'est quelque chose quand même qui est très présent. Et cette relation entre Paul et Timothée vient renforcer un petit peu cela. Alors, pouvez-vous préciser aux téléspectateurs, ceux qui nous regardent, de quoi Paul parlait exactement quand il parlait de ça, de relation entre père et fils spirituel? Oui. Premièrement, dans le Nouveau Testament, je vois difficilement comment on peut simplement, allons dire, transmettre son onction à quelqu'un. Ben avec le manteau spirituel dont j'ai expliqué tout à l'heure. Je ne vois pas comment. Je vois plutôt qu'on priait pour les gens, pour que Dieu les établisse dans le ministère que le Seigneur les avait appelé. Ils imposaient les mains. Il y avait un corps d'anciens qui imposait les mains aux gens pour, non pas prouver, mais pour approuver le ministère dans leur vie. Mais ce n'est pas pour une transmission d'onction. Paul n'a pas transmis son onction à Timothée. Non, certainement pas. Mais Timothée était devenu le fils de Paul parce que Paul l'avait transmis la révélation de l'Évangile. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose, donc. C'est complètement différent. C'est pourquoi, quand Paul parlait de ses fils, Paul parlait de ses fils qui étaient engendrés dans l'Évangile, qui comprenaient la révélation que lui, qu'il avait reçue de la part du Seigneur, qu'il transmettait à Timothée et à ses fils et aux anciens de l'Église. C'est pourquoi Paul posait le fondement dans l'Église. Donc cette relation de père et fils n'a rien à voir avec une transmission d'onction. Non, c'était Timothée était appelé de Dieu lui-même. Son appel, l'onction de Dieu dans sa vie. Paul était là pour le confirmer. Bien sûr, Paul le confirmait, mais Paul le transmettait la révélation de l'Évangile. C'est ça qui a établissé Timothée pour devenir le fils de Paul. Parce que ce n'est que simplement quand ils sont engendrés dans l'Évangile et qu'il y a le vrai message qui est transmis, il y a la vraie révélation de Christ qui est transmise dans le cœur de Timothée, et Timothée devient alors son fils. Oui, mais pour avoir voyagé beaucoup en Afrique, pasteur Mickey, vous savez très bien que les aînés ont un rôle important. Je veux dire, les serviteurs de Dieu qui sont plus jeunes vont toujours prendre pour modèle ceux qui sont plus âgés. D'ailleurs, les aînés leur font bien comprendre aussi que cette tradition doit perdurer, et que moi, si je suis un jeune pasteur et que je suis dans une église et qu'il y a un pasteur plus âgé, je n'ai pas la place finalement que je pourrais avoir comme c'est dans la parole de Dieu. Vous comprenez cette relation quand même qui est importante quand même dans la culture africaine, entre l'aîné, celui qui a acquis des choses par l'expérience et aussi par son âge. Bon. Quand Pierre, Jacques, Jean, les premiers apôtres, étaient déjà là, et que Paul est venu ensuite, et que Dieu lui a révélé, lui a emmené la révélation de Christ crucifié, du message que j'appelle le message de la croix de Jésus-Christ, il n'a pas eu honte, il n'a pas limité ce que Dieu avait investi en lui. Mais au contraire, il a répondu à l'appel de Dieu, bien qu'il y avait Pierre, Jacques, Jean et tous les autres qui étaient avant lui. Il considérait ces hommes comme des apôtres, mais l'appel de Dieu, l'onction de Dieu dans la vie de quelqu'un, n'a rien à voir avec l'âge.
n'a rien à voir avec l'âge. Mais c'est pourquoi il faut faire attention que cette culture africaine ne vienne pas remplacer la vraie relation père-fils dans l'Église. D'accord ? Oui. Ne pas remplacer cela juste parce que j'ai 60 ans et toi, tu as 30 ans. Bien sûr que celui de 30 ans a beaucoup à apprendre. Il est encore jeune. Il y a, oui, beaucoup, il y a beaucoup de choses qui doivent se passer dans sa vie. Il y a un enchaînement d'expériences, d'épreuves qui doivent se passer dans sa vie. Mais s'il a l'onction de Dieu dans sa vie, vous voyez, l'homme de 60 ans peut être un pasteur, oui, mais celui de 30 ans peut avoir l'appel de Dieu dans sa vie pour être un apôtre ou un prophète. Oui. Donc pour vous, il n'y a pas cette hiérarchie? Non, certainement pas. Certainement pas. Mais certainement que celui qui est jeune, ben, il y a quand même une soumission dans son cœur vis-à-vis de celui qui est là, qui l'a porté l'Évangile, qui l'a aidé à être à la place que Dieu veut qu'il soit. Mais l'onction de Dieu ne peut pas se mesurer par rapport à l'âge de quelqu'un. Ouais. Non. L'onction de Dieu ne se mesure pas de cette manière. Parce que l'onction de Dieu, c'est quelque chose que Dieu lui-même donne à quelqu'un. Il investit cette onction dans sa vie. Donc, ça n'a rien à voir avec l'âge, avec tout ça. Donc, on doit bien comprendre cela. C'est pourquoi je comprends ce que tu dis quand tu parles de la culture africaine. C'est ça, les aînés. Cette espèce de droit qu'on a sur quelqu'un parce qu'il est plus jeune que nous. Donc, on doit faire attention. On doit faire attention qu'il doit avoir soumission, mais en même temps, de pouvoir reconnaître l'appel de Dieu et l'onction de Dieu dans la vie de quelqu'un qui est moins âgé que nous. Ouais. Donc, il faut faire attention à cette chose-là. Et donc, ça doit être clair. Mais c'est avec cette réponse et que nous allons terminer cette session de questions-réponses avec vous, pasteur Mickey. Merci d'avoir répondu à ces questions et nous allons continuer dans une autre session parce que c'est un sujet quand même assez vaste. Merci à vous tous de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt pour une deuxième session de questions au pasteur avec le pasteur Mickey Hardy. Merci. Questions-réponses avec le pasteur Mickey Hardy. Contactez CTMI au plus 33 6 28 05 67 89 ou visitez www.ctmi.org.